Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment binder, appairer deux récepteurs sur ma AT16Z. Un récepteur en TFHSS, le R3008SB, et l'autre récepteur en fast test, le R6808SB. Alors, c'est très simple. Je commence par sortir mon récepteur. Je vais mettre l'alimentation sur ma voie 3. Donc là, on part bien sur le TFHSS, le R3008 SB. Alors, j'allume ma radio et je vous montre que le récepteur n'est pas appairé à ma radio. Donc, je vais déjà réduire la luminosité parce qu'on voit rien du tout. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors, le système en bas TFHSS. Voilà, la radio va me dire à droite que je suis bien en TFHSS. Donc j'alimente mon récepteur. Voilà, et il devrait passer au vert, mais non, il n'y a rien du tout. Donc mon récepteur n'est pas appairé à ma radio. Alors, pour appairer ce récepteur, c'est très simple. On retourne dans le menu de base. On retourne dans le type du système, là où on choisit son protocole FUTABA. Et dans TFHSS, nous avons relié. Alors, ce qu'il faut faire, c'est il faut appuyer sur le bouton relier et seulement après, il faut alimenter le récepteur. C'est parti. Voilà, la radio, elle lance la recherche. J'alimente mon récepteur. Voilà, mon récepteur est passé en vert fixe et la radio me dit relié, liaison établie avec l'adresse ID du récepteur. Donc je vais chercher des cerveaux. Alors, on fut à bas, on est d'accord. Je fais un petit rappel. La voie 1, c'est les ailerons. Ça fait toujours du bien de faire des petits rappels. Voilà, regardez, voie 1, les ailerons. Voilà. La voie 2, nous sommes sur la profondeur. Donc, c'est le récepteur là, profondeur. Voilà. Et puis, je peux mettre aussi la voie 4, qui est la dérive. Donc, voilà. Et voilà. Tout ça pour vous montrer que mon récepteur a bien été appairé, linké à ma radio avec le numéro ID. Donc, voilà pour ce récepteur 8 voies en TFHSS, le R3008SB, SB pour S-Bus bien sûr. Voilà. Donc maintenant, je vais passer sur l'autre récepteur. Type de système, je n'ai pas d'adresse ID sur ma radio. Ça veut dire que mon récepteur n'est pas appairé à ma radio. Donc je vais refaire le petit test comme j'ai fait tout à l'heure. Je me branche sur la voie 3. Voilà. Et je mets en route l'alimentation du récepteur. Regardez. Donc voilà. Ça ne veut pas se mettre en route. Alors, je me suis mis sur fast test 12 channels. Je lance la liaison et j'allume ma réception. Voilà, ça s'est bien mis en route. La radio me dit relié, liaison établie. Donc j'ai branché deux cerveaux, la voie 1 les ailerons, la voie 2 la profondeur. Donc je teste mes cerveaux si ça fonctionne. Hop, hop. Et voilà. Voilà pour
pour comment relier le récepteur 7008SB et le récepteur 3008SB sur ma radio, sur la T16SZ. Voilà, j'espère que ça va vous servir. Et n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos sur les radios Futaba. J'en ai fait un peu plus d'une dizaine en français. Ça peut toujours servir. Je vous remercie. Ciao les gars. We'll be right back.